Et je réponds à le loup. J'ai un petit komoku. Du coup là c'est Chris qui joue. Et à côté, on accro. Ok. Donc 25 minutes chacun. Et 5 fois 30 secondes. Avec un commis de 6,5. Et le Fogg dit que là il reprend le go. Ok. Bon, la partie est à peu près équilibrée. Là il y a du coup Modoki, Andan KGS. Avec Crow 7-8 Q KGS. Contre le loup 6 Q KGS qui dit qu'il reprend. Et Chris qui vaut, il disait la dernière fois, à peu près 1 Q KGS. C'est globalement équilibré. Et c'est à moi. Ok. Donc, noir fait un Shimari, un verrou de coin. Et nous, on a fait Ushikomoku. On peut choisir de faire également un verrou de coin. Donc là, moi, les coups que j'aimerais bien, c'est soit... Bon, il y a trois choses, vraiment. C'est O17, tout simplement pour jouer en direction des pierres. Ou alors San-San. Ou venir au milieu ici. Pour pouvoir s'établir de ce côté ou de ce côté. J'hésite plus entre O17 et R17. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on préfère ici? J'aime bien le O17 quand même. J'aime bien jouer en direction de mes pierres là, pour le coup. C'est assez classique d'avoir ton D17 orienté comme ça. Ouais, et le loup répond en C15, ce qui est assez classique. Parce que si noir répondait à ce moment-là en R14, blanc peut venir en K16 et provoquer le Fuseki Kobayashi, qui menace de se développer très rapidement en fait. Et après, quand noir approche, on a déjà une pierre d'aide là-bas, donc on peut pincer assez durement. Toi qui réponds, c'est 15. Ok, d'accord, je croyais que ça mettait toujours par l'ordre le pseudo. Ok. Donc je reprends. Le loup joue. Ah bah oui, non, bah non, oui. Bah non, c'est logique que je suis bête. Le loup joue, puis moi, puis Chris, puis Crow. Oui, c'est logique. Ça recule comme ça, ok. C'est marrant, je vois quasiment que des Tenuki après ce chose de ce. Comme beaucoup de Shusaku. Non, ce. 1, 2, 3. J'ai plus le nom en tête. Kozumi de Shusaku. Souvent, noir, il Tenuki. Et là, les deux dernières parties, il fait. Il fait l'extension. Qui est très bien aussi, hein, il a tout à fait le droit. Maintenant, on est très solide. Ici, bon, ça respire. Hein, on est tranquille de tous les côtés. Et là, noir n'a pas répondu. Donc, on va voir comment est-ce qu'il réagit à une double approche. Tout à l'heure, on a fait San-San. Là, autant changer. Et re-go DD. Ça a été la fin de travail? Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. On va prendre ça. Ça joue de ce côté. Souvent, on dit, donc je sais qu'à chaque fois que je dis, hein, mais autant répéter, noir, il joue, et en général, il tape sur la pierre, effectivement, et il joue du côté qui l'intéresse le moins, en fait. Là, en jouant de ce côté, logiquement, c'est je veux attaquer O17. S'il avait joué en O16, c'était je veux attaquer R14. Pourquoi? Parce que quand on fait tsuke comme ça, quand on fait le contact avec l'adversaire, ça construit l'adversaire, mais ça le construit également. Donc souvent c'est un coup de défense, mais là ça va construire les deux joueurs, ce qui va donner de la force à noir pour mieux attaquer cette pierre. Normalement. J'ai rien branlé aujourd'hui, donc une bonne journée quoi. Enfin, il faut pas que ça se répète trop, sinon tu te fais chier, j'imagine, mais. Blanc approche comme ça. D'accord. Je me demande si ça se joue ou pas. Parce que très souvent, on dit à Tsuke, tu réponds Ané. Donc ici, en l'occurrence, Q13. Et à Ané, tu réponds Nobi. Donc noir aurait été en P14. Ce qu'on retrouve dans énormément de je sais qui ou de séquences même au cours d'une partie. Ça me dit rien. Ok. Si je fais Ané, alors en fait la différence c'est que la pierre en Q15, si on avait commencé par ça, aurait sûrement été en P14. Est-ce que c'est bon d'ajouter là? Pas de noir est plus solide. Mais bon, blanc, noir ne peut pas couper non plus là. Donc on va faire ça quand même. Et noir défend son coin. Tout en retirant une liberté. Donc maintenant,
Est-ce que la coupe, elle ne fait rien toujours? C'est ça qu'il faut vérifier. C'est le rôle de Crawl. Bien. Ouais, effectivement, maintenant, à cause des pierres qui ont été rajoutées comme ça, la coupe fonctionne. Parce que normalement, Q15 est en P14, comme on a dit, et du coup, la coupe ne marche pas. Mais là, il nous manque une liberté. Donc, si noir avait coupé et qu'on poussait, noir descend, se fait 3 libertés, et ces deux paires-là n'en auraient plus que 2, et ont perdu les pierres, ce qui était assez dramatique pour un début de partie. Donc là, la gueule de tigre, très bonne forme, qui protège notre coupe. Et qui nous permet de nous développer très rapidement, soit vers le centre, soit vers le bord est. Donc c'est cool. Rigaud des dégâts de... Je te vois aider ton partenaire. Non, non, il a coupé le son, Cro. T'inquiète. C'est pour ça que je m'autorise à au moins dire de notre côté. Je vais essayer de ne pas trop commenter les coups de noir, justement. D'ailleurs, si jamais cette partie va sur YouTube, n'hésitez pas à me dire, YouTube, j'avais une question, c'est vous, ça vous gêne pas que de ne pas avoir le chat sur la scène, sur le retour? Je pense que non, hein, mais comme des fois, je discute un petit peu avec le chat. Merci pour le follow Vikingain. Bienvenue à toi. Ah, j'écoutais la musique viking tout à l'heure, hein. C'est un peu la vocation. Enfin, musique nordique plutôt. Donc maintenant, ça donne envie pour Blanc d'aller soit en M16, se casser un peu, développer un peu ce bord, voire L17, peut-être que c'est plus simple. Je pense qu'il y a ces trois coups en fait. Ces trois coups existent. Ou alors glisser en Q17, Q18. Mais. Souvent, quand on fait ce coup, c'est parce qu'on aime bien dire regarde, attention, j'ai la suite ce coup-là. Mais là, il n'existe pas trop. À la rigueur, on pourrait dire j'ai S17, mais Noir a juste à descendre plus tard, donc il s'en fout, ce qui abîmerait ce groupe. Donc, je pense que Q18 est à prohiber pour le moment. Donc, j'hésite entre ces trois-là. Là. Plus ou moins solide. On va faire le plus simple, je pense, extension naturelle. Alors, merci pour le follow, Einman. Je dois avoir mal dit le pseudo, mais bon. Niveau direction, je pense que Q14 vaut bien O16. Hi. Sorry for the pronunciation. Ah. Bon, tu vois quoi. Sorry for the misspelling. C'est plus facile à dire. Sur des séquences classiques, donc Q14. Sur des séquences classiques, l'un permettrait d'empêcher Blanc de trop développer au nord, l'autre aurait permis à Noir de développer à droite. Je me cours pas dans l'analyse. Effectivement, là ça permet que Blanc se développe moins facilement sur le bord nord. Parce qu'il n'a pas été touché, donc il peut pas se construire. Donc il y a ça, mais en même temps, il y a aussi là l'attaque, elle est pas très virulente, on va dire, sur blanc non plus. Et noir doit toujours surveiller son Q18. Après, est-ce que là c'est trop long de le faire? Ou est-ce qu'il a le temps? Mais en même temps, s'il le fait pas et que blanc le prend, ça le fait chier. Donc c'est dur de trouver le bon timing. Au 15 Zerbi. Oui, en général c'est plus O14 pour pouvoir s'appuyer soi-même ici et faire sa gueule de tigre si la pierre noire était ici. Et quand blanc répond double gueule de tigre, bah noir peut le faire également. Donc ça c'est un peu bizarre. Soit on fait ça pour développer son groupe et menacer d'écraser un peu celui-là, soit on pince, je pense. Et G17 un petit peu jaloux, je pense.
Tant que tu lis les messages auxquels tu réponds, ça me gêne pas. Tant que tu lis les messages auxquels tu réponds. Ah bah, il vaut mieux que je lise les messages si j'y réponds. C'est plutôt tant que tu réponds aux messages auxquels tu lis. Qu'est-ce que je dois faire ici? Pas évident, parce que j'ai envie de défendre comme ça. Mais dans ce cas, Noir peut venir là et faire une belle forme. Et si je viens là... Ça doit être ça, mais... Si, si, ça doit être ça. Noir est pas frais non plus. On va pas être frais ensemble, quoi. Et on est 25. Bonsoir à tous. Et merci pour les follow. Et Noir nous attaque un petit peu. Attention, ça c'est... Kema et Ogema comme ça se coupe. Peut-être pas dans l'immédiat, mais attention. Surtout qu'on a toujours la direction de Q18. Alors dans le chat de la partie, ça se dit, les deux joueurs les plus lents, ensemble, on est foutus. Crow dit ça. Ouais, c'est vrai que lui et moi, on a tendance à jouer très lentement. On va faire des trucs bien pénibles à lire pour ça. Salaud. Blanc aussi devrait surveiller son cul. C'est pas moi, hein? Non, bah non, je viens de jouer. Alors, qu'est-ce que Blanc a envie de faire ici? Parce que je le disais que au Tsuke, on répond Ané, et au Ané, on répond Nobi. Ça se joue assez souvent. Mais, parfois, quand t'as envie de prendre ton temps et ne pas renforcer l'adversaire parce que tu vois que lui aussi c'est un peu le Moïse, comme ici par exemple, parce que là, ça aurait été les deux sont solides et fin de l'histoire. Mais à ce moment-là, Blanc, il peut être solide, tout seul. Et Noir, il serait en mode, qu'est-ce que je fais? Si Blanc joue par exemple M17, c'est un peu dire non à l'adversaire. Non, non, on va pas faire ce combat que tu veux, moi je renforce. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'as cette pierre qui est isolée, t'as ces deux pierres, on sait pas ce qui se passe, et t'as ça, on sait pas trop non plus si j'ai dit son Q18. Donc ça, c'est peut-être un peu trop agressif. Après, je pense qu'il doit y avoir d'autres solutions, hein, c'est un exemple. Non, c'était pour ta question sur l'absence du chat sur YouTube. Perso, ça me gêne pas tant que tu lis les messages du chat. Histoire d'avoir un peu de contexte quand tu discutes avec les gens. Oui, ouais, non. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord, oui, je vois. Ouais, souvent, j'essaye de soit relire le message, soit de contextualiser, comme tu dis, oui. Oui, il faut pas que ça soit. Sinon, bah, y a eu une fois ou l'autre où je voyais que ça collait pas du tout et bah, j'ai pas mis sur YouTube tout simplement. Mais j'essaie de postuler pas mal de petites vidéos sur YouTube, même si c'est des fêtes ou d'autres choses, parce que bah, y en a qui aiment bien regarder ça comme une émission, quoi. J'ai publié la Reine Gaule l'autre jour d'ailleurs. Les joueurs qui jouent lentement ont une meilleure maîtrise du BOEI. En tout cas, on joue pas du tac au tac, ouais, c'est sûr. Mais bon, de là à dire qu'on a une maîtrise du BOEI. Ouais, le J16, je sais pas. Parce que là, on va jouer ici. Ouais, j'ai pas trop le choix, hein. Sauf que Noir connecte. Kema déchiré. Traverse Kema en premier. Ouais, c'est ça, c'est gros, il est très bio. Le pauvre, il va regarder la rediff et il sera là. Quoi? Mais pourquoi moi encore? La semaine dernière, déjà, il était revenu, il dit, mais pourquoi on parle de moi? Ouais, là, il y a une très mauvaise forme pour Blanc. Je pense qu'on doit stabiliser ce groupe. Donc là, le Q18, on a le timing, ça peut être intéressant. Ou sortir. Si on veut continuer un peu la lutte, on peut aller en N15. Je sais pas si c'est une bonne solution, mais c'est une solution. C'est pareil. C'est vrai qu'on a déjà utilisé 10 minutes pour 13 coups. Ouais.
14, ouais. Timide. C'est solide. Il aime bien cette forme, du coup, mais... Là, c'est un peu trop timide. Qu'est-ce qui empêche vraiment Noir de faire... De bloquer, par exemple, ou d'aller en Q18. En fait, on l'a empêché de faire ni l'un ni... Bah, bon, il peut encore choisir. Mais oui, c'est clairement ça le coup à faire, je pense. Parce que maintenant, si on vient, si moi je viens ici, bah, Noir, il peut couper. Alors que si on avait été en N15, Noir pouvait pas nous empêcher de séparer. Et là, on a l'impression que tous les pierres noires se connectent, c'est pas qu'une impression, en fait. C'est un peu lourd, parce que ma noire est très solide. Quand blanc a plusieurs, a trois groupes ici. C'est un petit peu embêtant. On va prendre de base de vie. Ce qui est la base de vie un peu partagée, donc c'est bien. Et garder ça peut-être sous la main. Parce que noir, c'est peut-être un peu lent de revenir ici aussi. Vous avez vu, j'essaye, comme je sais que Chris il est sur le chat, j'essaie d'influencer leur prochain coup. Je m'envoie des fleurs, Team Escargot. Pour ça, j'ai dit une meilleure maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise, juste qu'on survit un poil mieux. Ouais. Je suis impénétrable. Je veux pas savoir. Retourne avec GoDD avec vos insinuations bizarres. Et Noir par contre, ah oui, ouais, tu... Il a entendu, ouais, il y a des groupes instables, et il va à l'assaut, quoi. Ouais. Et c'est vrai, localement, c'est pas encore vivant, ce truc. Donc bon. Nous en parler. Voilà. Thanks for the red, midnight the blue. How are you? And welcome everyone. 36 personnes. Ouais. Pas mal, pas mal. Il y a du monde. Ouais, d'ailleurs, il y a du monde là sur le stream du coup. On est nombreux, ça doit être un de mes max en fait du coup. Bon, ça va se diluer très rapidement, mais ouais, 51 personnes. Et bien, oh, par contre, on était 25 plus 36, ils disent 51, non 62, ok, ouais, c'est déjà un peu plus proche. Bonjour, bonjour. Hello everyone. How was your stream? Sorry for the accent. It was good. Had some exciting and stressful games. Okay, here we are playing Rengo with the community. So, one time player with a crow with 7 or 8 Q against Leloup 6 Q, yes. And his teammate is 1 Q, a 1 Q player. So it's pretty even. But Black is leading the game here because he connected all his stones here, and Weiss has to struggle with three groups and now four. Cet accent. Bon, moi j'ai les mots, cela dit. J'ai les mots, mais j'ai un accent de merde.
Ah, c'était osé quand même ce R8 par contre. Ah, ça va, GoDD. En plus, il n'y a que les Français qui ont du mal avec l'accent français parce que les étrangers ils sont en mode, mais non, il est trop sympa votre accent. Je sais pas quoi faire avec cette pierre. C'était un poil prématuré, non? Allez, on va venir là. On va venir l'attaquer. Oh bien. Oui, aussi bien là, ils étaient. Attends, ils parlent quelle. Merde, ils parlent quelle langue? Je pensais qu'ils étaient français. Aussi bien, c'est ça. Tout à fait possible. Et je suis repassé à 26 vues. Oh les gars, t'imagines. La honte. Ah, mais je regarde souvent son stream à Midnight the Blue. Il est très très sympathique. Il écoute plein de musique Ghibli. Ok, j'aime bien. Ça ne peut être qu'un bon gars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, la séquence, normalement. Crow il va cross-cut. Ah oui, ça peut être bien. Là, je crois que j'ai trouvé un truc. T'en penses quoi, GoDD? Oui. Vas-y, je lui envoie ça. Arbitre. Non, mais il est pas dans le chat, t'inquiète. Il est pas dans le chat. Du coup, tu préfères que j'arrête de parler, de dire les coups, Chris? Après, cela dit, je lui ai dit ici de jouer M17 et il a joué J16, ce qui a amené à la mauvaise forme. Donc, en vrai, je suis pas sûr, hein. Moi, je pense qu'il a coupé le truc. Atari, Atari. Même s'il écoute, il va faire une connerie et mourir. En fait, GoDD, il va voir le stream de Crow juste pour ça, quoi. Yep. C'est parfait! Justement, c'est le thème de l'autre du stream de ce soir, non? De Robin. C'est quoi son nom de famille, Kojan? Je sais plus. Mais c'était les Sabaki, c'est ça, non? Je s'appuyais sur l'adversaire, jouer léger pour. De toute façon, ils auraient eu le coin. Et comme ça, on peut jouer autre chose. Et nous, on a créé une petite forme alors qu'ils n'ont pas beaucoup plus que tout à l'heure. Jambon. Vraiment? Bonjour. Ok. J'ai dit quoi, moi? Je sais même plus. Bref. Écrodi, j'ai coupé le stream. Ok. Ok. Ouais, ces deux pierres-là sont pas fraîches, mais après, nous non plus. Mais on va pas être prêts ensemble. C'est bien. Il dit, après je me souviens de la séquence, tu l'as montré le jour en stream. Et effectivement, je l'ai montré la semaine dernière. J'aime le troller.
Ouais, mais les deux sont deux nains de points d'interrogation d'ailleurs. Mais... C'est vrai que du coup, on n'a pas vraiment le niveau, mais. T'es joueur. Je devrais créer une propre petite chose au-dessous où je note les vrais niveaux. Enfin, une vraie petite scène. C'est ça. On a l'impression qu'on est en train de faire le tour du Goban pour créer que des groupes qui sont pas incroyables. Mais là, ils sont un peu trichés parce qu'ils sont presque connectés. Bon, ils ont pas été bien très joueurs ici. Mais oui, ça aurait été marrant de faire ça tout le long. Et allez, maintenant le bordel peut commencer. On va vers le centre et un groupe sur deux meurt. Ça aurait été sympa. Ils sont pas très marrants sur ça. Hein. Ouais. Ouh. Ah, ça commence à faire quelques points quand même. Après, ça faisait la forme de la table. Non, mais c'est un nouveau concept de Sabaki là, mon. Mon Q4, mon Q6 et mon S6, vous allez voir plus tard. Allez voir. Il m'a comblé. Il me dit t'avais qu'à me montrer la suite la semaine dernière. C'est le moment où tu lances une prédiction. Tout à fait, je vais lancer ça. Ouais. Y a pas une musique dans les pubs NF, tu devrais trouver ça. Ouais, je me disais aussi, oui, c'est vrai, j'ai pensé l'autre jour à trouver des petites alertes aussi que je peux popper moi-même. Genre Titanic. Ça peut être pas mal. Le. C'est comme regarder des vaincus. Eh hey c'est pas très gentil. Pas envoyer les pires de la prédiction d'avant. J'avais rendu déjà, non? J'avais déjà validé? Ouais, j'ai déjà validé. Hop là. C'est ce petit bruit là qui vous prévient. Enfin, je crois que vous avez le bruit. Quand la prédiction se lance. Alors. À moi les cailloux, c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai appelé ça des pierres. Ouais, il faudrait que j'appelle ça des cailloux plutôt, oui. Des points de chaîne. Effectivement. Ouais, je veux qu'il y ait une personne qui vote blanc quand même. Hein. Avec un caillou. Là, je vois le petit 100%. Bon, ok, il y a des chances, mais. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Il peut se passer plein de choses. Vous allez voir. 2%, eh. Hey. Allez. Ah, quelqu'un a parié 10, sympa. Envie d'avoir des infos s'il donne des explications et tout. Ouais, bah oui. J'ai mute, c'est masqué. Comme ça fait du. Ouais. Il faut garder une vue. Alors.
Oula, quelqu'un a mis à fond sur blanc. Attends, mais qui a voté 8000 sur blanc là? Il est optimiste, hein? Il est optimiste, c'est qui a fait ça? Oups, pardon. Mauvais. Tac. Et là, vous tombiez sur le. Sur le. L'IA. Voilà, il y aurait un problème si j'utilisais l'IA sur cette partie. J'utilise mal. Alors, on va monter. Oh, elle est là. Ouais, je comprends ça. Toujours parier sur la côte. Je fais toujours ça sur le stream, ben, d'un gars qui fait des prédictions aussi. J'attends toujours à le dernier moment et... Ok. Ça protège là. Il y avait toujours une petite faiblesse en fait en Q10, mais je savais pas quand il jouait. Mais là, il n'y a plus. Dommage. Dommage, dommage. C'est ce qui est assez admirable, c'est ce quart de Goban qui est complètement ignoré. Ça commence à devenir douloureux là par contre. Il a mis ce là. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et ça demandait de pouvoir reprendre un coup. Ouais, le Kema déchiré là, ça fait mal. Après là je vois pas ce qu'il a fait comme Kema déchiré, bah comme Miss Kick. Mais c'est vrai que ce groupe là maintenant ça commence à faire un coin assez sympa. Ça pue. Ouais c'est Croc qui voulait reprendre, ouais je sais, j'ai juste lu ce qui avait marqué. Mais ouais. Alors on est dans la merde. Qui veut mourir en premier? Bah théoriquement on est déjà mort à quelques endroits mais. Sauf qu'ici on peut plus vraiment l'attaquer quoi. C'est ça le problème. Allez, je vais tenter un truc, mais bon. Ah, il faut qu'il demande lui-même. Le misclic. Là, si c'est toi qui demande, bah tu, on peut accepter, hein, mais j'ai pas eu le temps parce que ton collègue a joué. Ton collègue. Ils sont pas marrants. S'ils répondaient là, moi je voulais qu'on fasse le N15 et attaquer. Là, c'est compliqué si en plus ils continuent à jouer solide. Maintenant, ils ont aucune faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait? Faut faire des points quoi. Sauf que là, ils ont une belle avance en points. C'est chaud. Et Menhir. On sent qu'il savait pas quoi jouer. Il s'est vraiment dit allez vas-y, je peux prendre une pierre. Un breton qui fait des menhirs, surprenant. C'est même pas breton les menhirs en plus. C'était là avant l'arrivée des Celtes. C'est bon pour le moral du capture. C'est ça. Ça le rassure.
Toi, expert en menhir. Si tu veux savoir, menhir, c'est composé de men, qui veut dire pierre, et de ir, qui veut dire long. Donc c'est les longues pierres, tout simplement. Et oui, c'était la civilisation mégalithique qui a créé ça, qui construisait ça, et c'était pas que en Bretagne, il y a le Royaume-Uni, en Irlande, même jusqu'au Portugal, dans toute la Gaule à l'époque. Et en fait, quand les Celtes sont arrivés, c'était déjà l'homme, tout simplement. Tout le monde joue très, voire trop solide, là, par contre. Parce que là, on tenuki ce truc. On a plein de bons... On a quelques bons coups par ici, hein, je pense. À jouer. Ouais, c'est ça, ça en fait envie en bas à gauche. Clairement. Clairement, clairement. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celtes, ils ont construit le pont de recouvrement, c'est déjà bien. Ouais, bon, il est bien dégueu, mais ouais. On vous laisse le synthé, vous en voulez pas. Ouais, non, mais clairement, c'est vrai que quand j'ai répondu ce coup, je me suis dit, c'est pas fou. Et là, je vous vois répondre ça, je suis là, c'est pas fou. Mais bon. Mais bon. Ça, c'est un très bon coup. C'est très bien, ça. Enfin, des points. C'est exactement ça. C'est exactement ça, t'as tout compris. Ils sont partout. Ten seconds. One. Allez, on vient jusqu'ici. Salut Lugubre. Ça va? Arrive au bon moment. On est en train d'éclater nos adversaires. Ok. En même temps, c'est quasiment un quart de Goban, hein. Donc je conçois. Il s'est passé quoi dans le coin en bas à droite? Je vois pas de quoi tu parles. 10 seconds. One, quel coin? Two, three, en bas à droite par rapport à quoi? 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'ici il fallait plutôt kick là d'abord, il monte et on fait jusqu'à C10. Parce que là on est trop gentil. Ils n'ont pas fini, plus assez de monde pour bouger les pierres. Hop, je suis juste. Gros souci, c'est ça. Il commence à montrer les crocs. Face au loup en face. Sinon le référentiel, le bas et la droite, c'est pas pareil. Faut préciser. Exactement. Exactement. PAT de 6 à 1. Merde. Il est précise en plus. Ouais. Ouais, il s'est passé des choses. On essaie de vaguement connecter tout ça. Oh, ensuite, ils ont vu. En vrai, on aurait pu... Ça me fait un chou à penser à Bagdad, mais c'est moi. C'est peut-être moi. Ouais, ouais. Ah, c'est toi, clairement. C'est clairement toi. Ensuite, on les tuera pas dans le coin. Ensuite.
6, 7, 8, 9. Merci pour le follow. Reg. 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 Merci pour le follow. Pas le temps de lire, il dit. Ten seconds. One. Norgain Diva, je... Attends, merci, Captain Obvious. Regulus Black. Ah. Ah, s'ils parlent latin, les gens. Ah, Regulus Doloris. Ok. Désolé. C'est un peu honteux que j'ai répondu à ça, non? Enfin, que je... Je dis rien. J'arrive pas à voter sur le pari. Ah bah non, oui, tu peux pas voter tout le long de la partie. C'était limité à 2 minutes. Faut voter tout de suite quand il y a le pari. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que ça passe pas. Il vient d'apparaître chez moi seulement. C'est bizarre ça. C'est surtout que si un groom meurt pas loin, souvent les coordonnées deviennent floues. À quoi ? 10 seconds. 1. Ouais, on prend le plus d'espace possible. Compliqué. Ah, y'a rien qui marche. Ouais, on peut abandonner, je pense. On peut abandonner. Ouais, c'est plein de follow quand ça meurt. Moi aussi, je trouve le timing étrange. Merci pour le follow, Monster Pang. Faut mourir plus souvent, bref, ça. Non, mais si je meurs plus souvent, t'imagines, j'aurai même peut-être des abonnés et tout, et je vais devenir streamer officiel. Allez, on abandonne. C'était compliqué, là. Ouais, on va la revoir vite fait. Merci pour la partie, les gars, en fait. M19. Non, ça marche pas, M19. Tac. Tac. Quand on fait cet atari, en fait, il peut faire ça d'abord. Même si on capture ça, il y a ça. Et un jour ou l'autre, ils pourront revenir ici. Et du coup, ça va faire en 3, tout simplement. Donc ça ne marche pas. Ah ouais, Yako. Oh putain, bon, bref. Oui, effectivement. Oh, je suis débile. Mais bon, on perd quand même large. Mais est-ce qu'on va devoir payer quelque chose, quoi. C'est le problème. Mais bon. On va regarder au tout début, là. Il y a 2-3 trucs à voir. Notamment, on voit... Bah, si je vous mets la courbe... Où est-ce que c'est ? Hop. Nickel. Si on voit la courbe, c'est ici qu'il faut regarder. Là, il y a eu beaucoup de changements, et notamment ici. On va aller voir ça. Déjà, dans la partie... Tac, tac, donc ça va très bien, on vient là, très bien. Souvent la réponse, gros, ça va être ça. Ce que je disais, si t'es là, c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop vite. Ouais, je comprends. Souvent, quand on te fait tsuke, très souvent, t'auras des séquences où l'adversaire va faire ané, va répondre à la tête, et toi, tu vas répondre nobi, solide. Très souvent, cet échange de 3-4 coups, là, tu vas le retrouver dans les joseki, dans les séquences de combat, etc. Donc ça, c'est assez régulé. Et ensuite, maintenant... Blanc, il a plusieurs choix, hein. Il peut
peut venir ici. Parce que ici, noir n'a pas le chichot. Non, il l'a pas. Donc il peut pas vraiment faire ça. Donc il peut pas couper. Alors ici, ça se passera sûrement comme ça. Comme ça. Et ici, la séquence est tac, 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 tac. Et là, soit blanc fait ça, mais noir peut capturer cette pierre. Soit blanc protège la pierre, mais noir peut venir faire une extension par ici. Ça, c'est un Joseki. Un peu compliqué, c'est vrai. Tac, tac. Ici. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, là, c'est blanc qui provoque ce Joseki aussi. Hein. Parce que si ça se passe comme ça... Noir, si le problème c'est que s'il fait pas ce coup qui est un peu plus compliqué, c'est vrai, hein, mais s'il protège, en fait il peut y avoir des choses assez compliquées avec ses réponses de blanc. Encore plus compliqué, c'est ça le problème. Il y aura une rediff? Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est si les gars sont d'accord déjà aussi, si je la remets ou pas. Et à voir, ouais. À voir, à voir. La partie était sympa, il y a des choses à revoir au-dessus. C'est surtout le ton coup en S4 qui m'a mis en PLS S4. Ah oui, oui, je comprends. Mais dans la partie, ouais, là quand tu joues ça, pourquoi pas. Effectivement, là t'as bien protégé. Là l'adversaire, il vaut mieux aller ici. Ou penser d'une manière ou d'une autre. Mais là, on a l'impression que tu veux faire un peu des deux, et finalement, tu mets la pression sur aucun. Du coup, on a le choix, soit on s'en va, soit ici, on a joué par là. On s'étend, et noir vient ici. Ça, c'est un peu jaloux. Ça, c'est un peu la même jalousie que le coup plus tard en R8 de blanc. Ici, effectivement... ça commence à devenir pas mal à blanc, mais il reste de plus grands espaces, des plus gros coups. Notamment ici, ou là. Même ça, c'est plus gros pour le moment. Même l'extension que vous avez faite par là, hein, même si elle est un peu plus tendue, mais en soi, blanc n'a pas une base de vie tout à fait fixe. Donc il reste plusieurs coups qui sont plus intéressants encore. Même ça, hein, je pense, même si en général on a plus, on proche plus les coins, c'est tout à fait viable. Donc ouais, ça c'est peut-être un peu prématuré. C'est plus compliqué, quoi. Et là, blanc vient ici. Ouais, je pense qu'on a le droit de faire ça. Hein. Tac. Et on saute. Et en fait, on va... Ou même, on peut faire comme ça. Et là, on saute. Noir, il protège. Mais on peut mettre la pression sur ces deux pierres assez rapidement. Et de ce côté, grâce à J17, on est déjà beaucoup plus serein sur ce groupe-là. En fait. Les vagues de graves, je pense que l'IA peut tuer avant R18. C'est possible. Mais ça semblait vraiment dur. C'est possible, c'est possible. On va voir ça vite fait. Dans la partie, ça joue comme ça, ok. Et ici, où est-ce que j'expliquais à ce moment-là, Crow, en fait, quand tu regardais, bah tu t'as pas entendu, mais du coup, je reparlais du « Oui, Tsuke, on peut faire ça, ça, et souvent, ça provoque cette séquence. » Mais souvent, c'est quand c'est Joseki, par exemple, ou quand il y a une séquence où ça va être équitable. Ici, en fait, les pierres noires, elles sont pas encore très fraîches. Si tu veux faire la séquence en te renforçant, mais sans que l'adversaire se renforce non plus, tu peux décider de reculer tout simplement. Et laisser l'adversaire à sa merde en fait. Et nous on joue solide, on est connecté. Mais blanc, il est, noir, il a... Bah ici il est pas connecté, c'est un Gema. Et là il est pas connecté avec son Gema. S'il fait ça, on peut aller là et complètement couper ses formes. Mais ça vaut toujours mieux que s'il revient par là ou par là, je sais pas. Mettons ça, blanc peut venir tenter de couper. Et là, c'est la même merde. Donc, ouais, à faire attention. Je me suis dit qu'en le tapant, on pouvait s'étendre en influence et qu'on aurait pu construire en attaquant le groupe à gauche. Ouais, le problème, c'est que là, on a attaqué avec un groupe, avec ça, tu attaques avec un groupe qui n'est pas stable. Même si c'est avec celui-là que tu joues, tu le pousses. En fait,
il faut se dire, c'est là où on... C'est dans ça, en fait, quand je disais au premier Rengo tout à l'heure, que je dis ça off-screen, je sais pas s'il est encore là, que les joueurs de Go, t'inquiète, même à n'importe quel niveau, même les joueurs en Dan et tout, ne savent souvent pas compter jusqu'à 2, c'est pas forcément les libertés, c'est même là, je joue mon coup, et en fait, on est tellement focus sur notre coup que on pense pas, alors qu'on peut l'imaginer tout à fait, quelles seront les réponses logiques de l'adversaire. Bon, on a fait Nobi, oh, il ferait Nobi, c'est à peu près logique. Sauf que là, si on coupe, on pourra jamais sauver ses pierres. Elles sont mortes. Ça donne beaucoup de points à l'adversaire. Merci pour le follow. Sato Tananobu. Tadanobu. Thanks for the follow. Donc ici, ouais, il vaut mieux éviter. Il faut juste s'imaginer, en fait, quand tu imagines un coup comme ça, surtout dans des moments d'attaque comme ça, de combat, essaye de te dire, ok, si je joue ça, mon adversaire, bah, qu'est-ce que je jouerais à la place de l'adversaire, tout simplement. Pas tout simplement, entre guillemets. J'avoue, mon L16 était vicieux. Enfin, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas vraiment cool, ça. J'étais en mode, ah bah c'est cool pour nous. Le Hané M16 est possible sinon. Oui, il est possible, bien sûr. Il est possible, hein. Et ça fait du combat, tout simplement. Parce que là, même noir, je sais pas s'il recule ce truc-là, parce que là, ça fait ça, et tu peux pas vraiment bloquer, donc ça fait ça, et en fait, ça se fait déchirer, donc c'est tout à fait possible. Noir, il reculerait ici, et blanc monte, et c'est coupé aussi. C'est juste que noir, il peut quand même sauter, ce groupe-là est pas frais encore. Avec un coup blanc, juste comme ça. Je trouve qu'en fait, on laisse le choix à l'adversaire, certes, mais entre deux mauvais choix. Et nous, voilà, on est un peu plus solide que l'autre forme, je trouve. On a une base de vie un peu plus prononcée. Après, je sais pas, c'est surtout sûrement un goût personnel, mais... moi, mon ancien prof, il disait « Seuls les pros savent compter jusqu'à 2 ». Ouais, bah c'est ça, hein. Compter à 2, mais dans toutes les directions, pas juste sur un coup. Ouais. Je voulais lâcher les pierres, J et G. Ah oui, tu voulais faire payer gros. Pour prendre O17. Ah oui, d'accord. Tu pensais que c'est... Du coup, comment est-ce que tu pensais ça? Comment est-ce que tu pensais ça? Non. Comment est-ce que tu imaginais, du coup? M17 puis descente si ça résiste. Mais si ça résiste comme ça. Ça a l'air compliqué pour noir en fait. Y'a pas de double année. Je pense pas. Non, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. En tout cas, dans la partie, du coup, bah, le problème c'est que noir est connecté et blanc ne l'est pas. Ici, on a encore deux choix, cela dit. On pouvait prendre la base de vie ou sortir. Tu es sorti, mais de manière un petit peu trop timide là pour le coup. Parce qu'en fait, là encore une fois, il faut se dire qu'est-ce que va répondre l'adversaire. Normalement, ton adversaire, il va dire non, ne sors pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit que les pierres noires connectent toutes. C'était compliqué, mais je voulais faire claquer du bec le corbeau. Ça t'a réussi. Sympa. Tout psychologie. Donc là, noir, il bloque direct. En fait, ici, tu as droit de sauter comme ça. Si noir vient ici, tac, c'est assez compliqué, je pense. Parce que là, il connecte là, mais il va y avoir des combats assez compliqués. C'est risqué pour les pierres, je trouve. Et même, en fait, ici, il y a un chichot. Donc noir, il peut pas pousser là encore. Il est obligé de reculer.
Et blanc peut revenir comme ça, par exemple. Alors protège, blanc vient là. Et noir, il peut toujours pas aller là, parce que à ce jeu-là... Pas mince. Blanc gagne. Même si noir essaie de résister comme ça, blanc gagne au niveau des libertés. Donc noir, il est obligé d'essayer de trouver plus de liberté par là. Mais dans ce cas, blanc aussi. Et ça a l'air compliqué comme affaire, en fait. Donc c'est, ouais, il vaut mieux aller un peu plus loin. Ou alors prendre la base de vie. Tout ce que j'ai lu en N16, c'était pas ok pour nous. En N16? En N15, tu veux dire. N15. Donc... Et là, on nous attaque. Et en fait, ici, quand on nous attaque, toi, tu contre-attaques. Du coup, c'était quoi l'idée derrière ce coup? Pour toi, Crow. Le genre d'affaire qui est complexe et qui décide toute la partie, il me semble plus simple de l'ignorer et de choisir une autre séquence. Par rapport à... La course pour la vie des deux groupes que tu as exploré. Ouais. En fait, le problème résidait dans le fait de se faire enfermer, je pense, globalement. Se faire enfermer, c'est très désagréable. Même si on vit, bien sûr, mais c'est quand même très désagréable de se faire enfermer direct. T'as un invité poilu. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Yato. Petit chat. Mais M15 est pas compliqué pour Noir de gérer. M15. Ah si, si, ça c'est chiant. Il est chiant le M15. Mais Blanc n'a pas le loisir de le jouer tout de suite parce qu'il est pas encore solide là. Il a pas encore pris. Noir peut encore aller en B17 et ôter la base de vie potentielle là ici. Donc en fait, c'est dur de trouver le timing de ça, je trouve. Les pierres de Go sont claustrophobes. C'est ça. Je ne veux pas rester enfermé. Crow, il a décampé. Il répond pas à ma question. Parce que là, oui, ça, c'est un peu avec des groupes qui sont instables comme ça. Vous revenir attaquer à l'intérieur d'un segment noir comme ça, c'est assez compliqué. Un chat. Et oui, un chat. Beau chat. Et du coup, on se fait attaquer. Il se recoiffe. Pardon. C'était nerveux, on va dire. Et là, on vient là, et Crow, il l'a bien joué. Il l'a très bien joué, cette séquence. Et là, quand je viens là... En fait... dans ma tête, j'étais en mode, ah, comment est-ce qu'on répond, et tout. Est-ce qu'on répond vraiment, ou est-ce qu'on attaque ces deux pierres? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a répondu, mais en laissant à l'adversaire... jusqu'à 38 points. En laissant à l'adversaire quand même capturer. Donc ouais, cette réponse, c'est ça qui a commencé vraiment à foutre de la merde, je pense. Ça, c'était compliqué parce que... Ouais, il y a Atari, quoi. Il y a Atari. Q5 ici, non. Ouais, Q5, je pense. Q5, Q5. Et quand c'est la capture... En fait, ce que j'étais en train de lire, c'était... Moi, je pensais que Crow allait répondre ça. Et j'étais en train de lire le derrière... Ouais. À ça, mais ça menace pas grand chose en fait. Ça. Enfin, ce que j'imaginais, c'est si Noir fait n'importe quoi par là, on pourra revenir ici, bien sûr, et connecter. Si Noir empêche, on peut faire d'abord cet Atari, puis celui-là. Et ensuite, bon, on a quand même un groupe qui est quand même solide. Et on peut. Je pense qu'on monte nous qui presque en fait, ça quoi. Peut-être que maintenant, on peut se permettre de faire ça, parce qu'on a, on est plus solide avec ça. Donc il y aura juste ça, regardez. Peut-être. Ça peut être une bonne solution. Je sais pas. Option, en tout cas.
Comme maintenant, Noir aura son propre groupe à surveiller. Q13. C'est déjà pris. C'est déjà pris. Ouais, Q13 est déjà pris. Tu sais quelle intersection que tu disais? O13. O13. Plutôt O13 pour blanc. Pas Q13. Ouais. Pour menacer ça et en même temps de recouvrir. Menacer ces deux. Genre ça et ça. Un truc genre. Oui, il aime bien cogner sa tête et bah, il aime bien la barbe en fait. Il aime bien la barbe, hein? J'aime bien l'idée. Ouais, j'aime bien l'idée aussi, t'as raison, vache. Pour ceux qui l'ont pas, vache, c'est peau douce dans la partie. Ah bah non, mais c'était dans la partie précédente. Pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. T'as qu'un seul animal. Ouais. On l'avait, quand on l'a pris à l'SPE, en fait, on l'a pris avec son frère. Donc on avait les deux frangins. Au début, on voulait prendre qu'un chat, c'était pour un autre en plus, mais quand on les a vus tous les deux, on était en mode, ouais. Voilà, ça a été coup de foudre. Et finalement, lui, le petit monsieur, là, qui est très gentil avec nous, hein, voilà, il était dominateur envers son frère aussi. Il voulait le laisser pas bouffer, du coup, on a mis deux gamelles qui étaient à deux endroits différents. Bah, même s'ils mangeaient chacun une, lui, il se retournait, il allait l'empêcher de bouffer. Donc c'était plus une vie pour l'autre qui se cachait tout le temps, qui avait peur, qui s'est devenu ultra peureux. On pouvait pas le porter, on pouvait pas le toucher. Donc c'était. Voilà quoi, il se rendait malade. Donc on a été le retourner à l'SPA. Ça a été c'était chiant, mais bon, c'était mieux pour les deux, quoi. C'était mieux pour les deux. Et lui, il a perdu son caractère de cochon avec ça, en fait. C'est le genre d'animal qui est mieux tout seul. Tac. Et l'autre, on espère qu'il sera bien. On a préconisé quand on l'a rendu à SPA, l'autre, on a dit bah, il vaut mieux éviter les enfants, il vaut mieux éviter un autre animal. Parce que c'est un groupe heureux, voilà, et qui est assez anxieux. Ils ont des petites émotions, ces petits-là. De toute façon, enfin, oui, de toute façon, oui, j'apprends rien. Précien. Waouh. Ah oui, t'as la ferme, quoi. Je me absente 2 secondes et j'ai loupé le truc que j'ai foiré dans la partie. Je vais te remontrer ça. Ici oui. Si ça veut. Ah bah non, comme on n'est pas sur la bonne. Comme il y a des variations, on peut pas retourner là en cliquant sur. Tac. Ici oui. Donc t'as bien joué la séquence, c'est quand je joue ça et que l'adversaire fait Atari, en fait tu dois répondre à Atari, gros. Donc j'ai 2500 mètres de terrain. Ok. C'est la riche. Le genre de chat qui n'est pas ton chat, mais oui, bon, un chat, quoi. Ça occupe bien une pareille ménagère. Ouais. Ça fera tard si on monte tout ce que tu as foré. Eh oh! Tac, tac, tac. Et s'il monte en Q6? Tu peux venir ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ensuite? Parce que là, il est obligé de capturer la pierre. S'il fait ça, tu lui captures. Si tu fais ça, tac. Il fait ça, tac. Bon, c'est des coups un peu cons, hein, mais c'est pour montrer toutes les réponses. Donc il vient ici. Dans ce cas, tu peux venir là. Il capture. Tu viens là. Ah bah, s'il a pas envie que tu connectes, tu peux venir là. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Peut même revenir comme ça tout simplement en fait. Si ça coupe, c'est pas une très bonne idée, hein, parce qu'en fait ça doit prolonger, et nous quand on descend ici, ça peut même pas bloquer. Et ces pierres là, ça va parce que celles-ci sont faibles aussi, celles-ci sont ben stables également, donc c'est compliqué. En fait, ce qui a le plus de chances de se passer, c'est quand tu défends, noir il va sûrement prendre la pierre tout de suite, et là tu as plusieurs solutions. Si blanc descend là, ça menace de venir connecter au-dessous en fait les pierres. Et si noir vient ici,
Blanc peut déjà jouer ça, tac, il est tout connecté. Et maintenant, on disait à ce moment-là qu'on pouvait Tenuki et venir ici. Ce qui attaque à la fois cette trois pierres en menaçant de faire ça. Mais en même temps, ça menace de venir revenir ici pour blanc, ce qui attaque à la fois ça et ça. Parce que ce groupe-là, ok, il a pas de base de vie, mais c'est tellement solide que c'est hyper dur de vraiment bien attaquer ce truc, quoi. Le chat, il est en mode, mais à qui parles-tu, grand fou? Gros, tu avais pas un ancien pseudo nommé MV d'Inde. Histoire d'Inde, ok. Histoire d'Inde, ouais. Là, le dinde a évolué encore, avec une belle évolution, quand même. Tu utilises les mêmes dialogues. Donc ensuite, dans la partie... Est-ce qu'il y a eu d'autres choses importantes dans la partie qui ont été un peu bizarres? Cette capture est peut-être pas nécessaire, on peut peut-être Tenuki. Et ensuite, quand Noir a joué ça, moi aussi je peux peut-être Tenuki. Et là, Noir, il était pas obligé de jouer ça, il peut peut-être Tenuki. Là, on a joué des séquences un peu lentes, je pense, quand même. Ouais, ici, Noir, il faut qu'il vienne tout de suite là. Là, Blanc, il faut qu'il vienne là. Ok, d'accord. Donc, c'est ça, ouais, les va-et-vient. En fait, c'est la base de vie partagée. Notamment depuis le K14. Parce que là, effectivement, hein, si ça se passe comme ça, Noir, il risque de mourir, en gros. Ça serait quand même assez dramatique. L'IA a peur. Ouais, c'est bizarre. Hein. Pro est un NPC, il a des lignes de dialogue, c'est ça. Là, s'il s'est absenté, en fait, c'est parce qu'il était en maintenance. Mais ouais. Blanc aurait dû prendre. Même là, ils disent que Blanc doit prendre là. Parce que Noir, il doit prendre soit sa base de vie ici et essayer un petit peu, soit sortir, quoi. C'est pas évident. Voilà. Mais ici, ouais, quand Noir répond ça, il faut qu'on recule. Et même, hein, est-ce que ça, ça fait pas grand quelque chose? Faut se demander. Donc peut-être faire ça et ça, c'est vraiment pas cool, mais peut-être qu'il y a besoin. Enfin, peut-être ça, quoi. Mais c'est un peu dommage, parce qu'on retire la faiblesse ici. Je sais pas si vous avez d'autres choses à voir. Avant, j'avais l'habitude des grosses bagarres sur le Goban, puis j'ai pris une flèche en dessous. R18, ça, ouais. Ou S18, S18 aussi, hein, oui, effectivement. J'aime bien le R18, vraiment c'est net en fait. Je pense qu'on va s'arrêter là tranquillement.